Bonjour, bonjour, chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Je vais pré-tirer les cartes, je vais passer cette séquence en accéléré et donc je vous retrouve tout de suite. Et voilà, amis Balance, on va commencer pour vous votre tirage du mois de novembre. Et donc, en carte, en énergie principale, j'ai le chariot qui est tombé. Et franchement, c'est trop bien. Donc, c'est le succès, le progrès, l'élévation, l'avancement, en fait. Hein. Vous allez avancer, c'est ce qu'on me dit pour ce mois de novembre. Il va peut-être y avoir un coup de boost dans votre vie. Que ce soit sur le plan professionnel ou dans votre vie quotidienne, il y a quelque chose qui avance. Ici, on voit que c'est une femme hein, qui est dans ce chariot avec, avec deux guépards. Ce sont quand même des félins qui courent vite. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment un coup de boost. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer. Voilà, donc vous avez un mouvement dans votre voyage, sur votre chemin, voilà, qui va être couronné de succès. On voit que vous progressez, enfin, il y a vraiment quelque chose, c'est super, hein. Et en plus, vous voyez, là, je viens d'ouvrir le petit carnet, et la citation qui est associée, c'est que votre joie soit dans votre voyage, pas dans un objectif lointain. Et c'est Tim Cook qui a dit cela. Et je trouve ça tout à fait juste, c'est cool quoi. Émerveillez-vous du parcours que vous êtes en train d'entreprendre. Regardez avec les yeux d'un enfant en quelque sorte, hein, votre vie, votre avancée, les projets que vous mettez en place. Voilà, vraiment ouvrez les yeux et continuez d'avancer parce que là vous êtes sur une très très belle dynamique pour moi, hein. C'est vraiment ça. J'ai cru qu'il me restait du thé, mais pas du tout. C'est pas grave. Allez, on va voir pour vous ce qui vous attend donc pour ce mois de novembre. Donc, on a le papyrus, on a la pénitence, on a le sceau et on a l'illusion. D'accord, ok. Donc, waouh, j'ai les mains brûlantes, c'est un truc de dingue. En fait, j'avais le mot nouveau cycle. Voilà, j'ai le mot nouveau cycle et là, blam, j'ai les mains qui deviennent bouillantes. Ok, donc ici, en effet, avec le papyrus, on est sur ça peut représenter le nouveau départ, une nouvelle page à écrire, d'accord? Avec ce bateau, on revient à la notion de voyage qu'il y a sur la carte du chariot. Cette avancée, vous naviguez sur des flots paisibles à l'heure actuelle. Peut-être après une période de pénitence, d'accord? Ici, il peut y avoir la décision qui est prise intérieurement, justement, de ne plus subir votre vie, de ne plus être dans l'illusion de quelque chose, mais de bien croire en une amélioration et en une avancée, voilà, dans vos projets, dans votre vie sentimentale, enfin, ça peut tout concerner, hein. C'est vraiment, pour moi, une sorte de remise à zéro. Vous voyez, on remet les compteurs à zéro et on prend l'engagement d'avancer et quoi qu'il arrive, on avance vers son objectif tout en profitant du chemin. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire aussi la petite citation de Tim Cook. Elle veut dire ça, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas de vue les objectifs. Par contre, on profite du voyage. On regarde ce qui se passe autour, on regarde le paysage, voilà. On ouvre les yeux aussi, c'est ce que me dit l'illusion, on ouvre les yeux sur ce qui ne fonctionnait pas. Vous voyez la pénitence associée à l'illusion, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on décide maintenant de regarder les choses en face. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, il me semble que si vous allez regarder la tendance astrologique pour l'année 2022 que j'ai fait, je les ai épinglées sur mon profil, hein, donc c'est _astraela_-8, quoi.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il me semble que justement pour ce dernier trimestre 2022, vous ouvriez les yeux sur quelque chose et vous décidiez de regarder les choses en face, de ne plus vous voiler justement la face sur ce qui est problématique dans votre vie. Maintenant, on affronte les épreuves, on affronte les obstacles et on décide de les passer avec douceur et persévérance. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, vous décidez, vous vous engagez envers vous-même à persévérer et à ne plus vous laisser bouffer par les énergies négatives qui ont tendance à vous entourer, en fait. Hein, puisque on sait que le signe de la balance, vous êtes en perpétuelle quête d'équilibre. Bah, ici, on dit, ok, maintenant, c'est bon. La quête, elle doit plus... voilà, elle doit plus me peser, cette quête d'équilibre. Vous voyez? Maintenant, on ouvre les yeux, ok, j'ai plus envie que cette quête d'équilibre me pèse sur le dos. Maintenant, j'ai envie de profiter du voyage, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire les choses comme je l'entends. Et ça rejoint aussi, j'ai fait un petit speech, voilà, de mise au point quelque part sur ma page Instagram, où je vous dis que pour moi, enfin, ce n'est que mon point de vue, mais pour moi, la loi d'attraction, c'est votre volonté. Tout simplement, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, tout ça, parce que pendant 21 jours, 3 mois, 1 an, vous avez été positif H24. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À mon avis, enfin, pour moi, hein, c'est ce que je pense, la loi d'attraction, déjà, devrait être remplacée par le pouvoir d'intention, d'accord? C'est pas la même chose. La loi d'attraction, pour moi, on attend quelque chose. Le pouvoir d'intention, c'est mettre en place, c'est être acteur de son intention, de son action. Donc, c'est avoir une volonté d'agir, vous voyez? Donc, pour moi, c'est ça, en fait. C'est là, en novembre, vous prenez la décision désormais d'agir. Et quand ça ne va pas, eh bien, vous ouvrez les yeux et vous allez arriver désormais à percevoir ce qui est beau autour de vous pour justement ne plus vous laisser... happé par les énergies quelquefois un peu plus négatives ou un peu plus basses qui sont autour de vous et qui vous sapent le moral. Vous voyez? C'est vraiment ça que j'entends là. Et voilà, et ce mois de novembre, pour vous, va être une transition à ce niveau-là. Et ça va vous faire du bien parce que vous allez vous-même constater votre avancée. Vous voyez? Vous allez être finalement... comme cette femme, vous tenez les rênes, quoi. C'est vous qui vous dirigez. Donc, vous avez le contrôle sur tout le reste. Il y a des choses que l'on ne contrôle pas, certes, mais pour ce qui vous fait du bien, vous avez le contrôle. Vous voyez, c'est à vous de décider. Ok, bon, je traverse telle épreuve, mais qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut me ramener sur des énergies un peu plus cool, un peu plus chouette? Qu'est-ce qui autour de moi me montre à quel point, eh bien, finalement, je suis capable de dépasser ces épreuves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme ça que je l'entends et je pense qu'il va y avoir un switch à ce niveau-là. Vraiment, vous allez faire une bascule, c'est le cas de le dire pour vous, ami Balance, vous allez faire une bascule justement dans votre mode de pensée, dans votre vision des choses. Voilà. On va voir pour vous ce qui vous attend sur le plan sentimental et relationnel maintenant. Donc ici, on a le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Ok. Ici, on a la beauté de ce qui est petit. Ben, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Percevoir le beau. Percevoir le beau là où il est. Point. C'est tout. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment ces énergies-là et c'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul signe où le tirage sentimental rejoignait aussi le tirage général. Donc je trouve ça super cool de pouvoir faire des liens entre tout. Parce que bien entendu que si ça se passe bien dans votre quotidien, le reste va suivre. C'est forcé, vous voyez. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Non mais attendez, là on rejoint totalement ce que je viens de dire précédemment. On est d'accord.
Donc, et si vous me dites non, c'est que clairement vous êtes dans l'illusion, les gars, hein. Désolée de vous décevoir, mais bon. Donc, trêve de plaisanterie. Ici, voilà, on a vraiment cette notion-là. Vous êtes. Donc, on va vraiment prendre les choses sur le plan relationnel, sentimental. Ici, je pense que clairement, votre. Alors, si vous changez votre façon de voir les choses dans votre quotidien, c'est ce que je viens de vous dire, hein, forcément, au niveau sentimental, ça va changer aussi. Ok? Parce que la volonté de changer sa vision des choses amène à une ouverture. Donc, forcément, si ça vous amène à vous ouvrir, vous allez attirer des personnes qui vont vouloir venir connaître ce qui se passe dans cette porte ouverte. Vous voyez? Donc voilà, je pense qu'en novembre, chers amis Balance, vous faites journée porte ouverte, vous faites le mois porte ouverte. Et moi, je trouve ça super cool parce que ça va vous apporter des choses, ça va vous connecter aux bonnes personnes. D'accord? Vous allez pouvoir percevoir vraiment ce qui est beau autour de vous. On y revient, on y revient. Et vous allez vous rendre compte, bien que vous pouvez, en fait, en installant ce mode de pensée, cette vision des choses comme une routine, en vous engageant à vous y tenir, eh bien, ça va vous apporter de très très belles choses. Ici, on a trois cartes magnifiques, quoi. On voit, elles respirent la sérénité, quoi. Enfin, je veux dire, ici, on a le petit ruisseau dans les rochers, la végétation. Là, alors là, on a la ligne rouge, vous voyez le fil conducteur. Et ce papillon, il suit son chemin. Mais est-ce que vous croyez qu'il suit son chemin comme ça jusqu'en haut, sans regarder autour de lui les jolies plantes qui pendouillent de chaque côté? Non, il s'arrête, il observe, il contemple. Il va peut-être aller butiner un peu aussi, qui sait? Et là, c'est vraiment ça. Que ça me dit que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose, vous permutez quelque chose, vous permutez votre vision sur le monde, votre vision sur l'autre et votre vision sur vous-même. D'où ici le pouvoir d'apprivoisement du grand, puisque c'est vraiment quelque chose qui va vous enrichir intérieurement, ça va remplir votre coupe, hein, c'est ce que j'ai là, et vraiment il y a quelque chose de top, quoi. Donc pour les célibataires, si vous arrivez donc à être en mode porte ouverte, alors ça peut être mal interprété pour les gens qui ont l'esprit mal placé. Donc porte ouverte, je m'entends, hein, c'est vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles connaissances. Bon, bah après, si vous aimez le côté charnel, écoutez, ouvrez les portes et voyez ce qui se passe, hein, je ne peux que vous. Je ne vais pas vous encourager, mais voilà. Si vous aimez bien plutôt flirter, eh bien écoutez, faites-vous plaisir, les portes seront ouvertes. Donc voilà. Que puis-je on peut pas aller contre ça, hein. Voilà, si c'est ce qui vous anime, écoutez, foncez, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être une période de pénitence, de stagnation aussi au niveau intime. Et là, eh bien, d'avoir ce nouveau mode de pensée, vous allez vous dire, allez hop, andiamo, on y va, on va faire des rencontres, tant pis si ça dure pas, mais voilà, mais chacun a ses habitudes, les gars, chacun a ses habitudes. Donc, faites ce qui vous semble juste et bon pour vous sur ce mois de novembre. Hein. Voilà, je m'égare. Bref, voilà, donc je pense vraiment qu'il va y avoir pour vous, amis célibataires, quelque chose de nouveau. Il se peut aussi que vous fassiez de nouvelles rencontres sur le plan amical. Ça se peut, ça va vous amener à des sorties, peut-être quelque chose de très riche. Vous allez vous rendre compte que vous vous entendez bien avec certaines personnes et vous n'aviez pas vu les choses comme ça avant. Enfin voilà, c'est bon bah. J'entends aussi rencontre dans l'entourage. Donc il y a peut-être une personne qui a le béguin pour vous et de voir que vous avez transmuté vos énergies, eh bien cette personne pourrait se déclarer. C'est ce que j'entends. J'ai pas de carte sentimentale réellement là dans le Tao, mais voilà, c'est ce qu'on me souffle à l'oreille, délicatement, dans l'oreillette. Donc voilà, il se peut que ce soit de cet ordre-là. Concernant les couples, vraiment, il y a quelque chose, on sent là la relation très forte. On a envie justement de fusionner avec son ou sa partenaire, on a envie de s'unir. Il y aura peut-être par rapport au sceau ici des engagements, des demandes en mariage, écrire une nouvelle histoire avec ce papyrus. Voilà, ici, il y a de l'engagement vraiment
un pax, quelque chose, vous voyez, avec le papyrus, ça peut être aussi la signature d'un contrat de mariage, ça peut être une procédure en effet de pax. Voilà, hein, j'ai ça, vraiment, ce sont de très belles énergies, je n'arrive plus à parler, mais voilà, parce que je trouve ça super beau en fait. Ici, c'est pareil, vous voyez, découverte de l'extraordinaire. Je pense que vous allez avoir un regard émerveillé hein, au sein du couple. Ça peut être aussi, comment dire, s'engager à plus communiquer, à être vraiment dans un partage, dans un échange, dans une intimité saine, si vous voulez. Et quand je dis saine, c'est juste voilà une intimité plus ancrée, j'ai l'impression plus complice. On se dit les choses, on partage, on prend des nouvelles habitudes aussi peut-être, quelque chose de plus sensible, une intimité plus sensible, plus sensuelle. Voire même j'ai le mot érotique qui me vient justement là parce que et en plus c'est marrant parce que je suis tombée sur une vidéo cet après-midi sur ça. Et c'était justement sur cette notion dans le couple, il y a des moments où forcément au niveau intime, eh ben, on n'est pas dans des énergies folichonnes. Et puis finalement, voilà, avec de la communication, on peut se concentrer vraiment sur le côté très sensuel, sur le côté sensible, les caresses, la douceur, vous voyez, du rapport intime, et pas forcément la performance avec... avec tout ce qui est, voilà, forcément, en arrivée à la pénétration, est-ce que tu as eu un orgasme et tout ça? Non, pas du tout. Et moi, je sens vraiment pour les couples quelque chose de très intime et de très doux. Vous voyez, on se reconnecte à des habitudes peut-être plus, ouais, plus douces, plus... Il y a vraiment cette notion-là, en fait, vous voyez, de se retrouver. Vous vous retrouvez dans un petit cocon de sensualité. Voilà, je m'arrêterai là parce que franchement c'est trop beau et puis qu'on va pas non plus en parler pendant 150 ans. On va passer justement aux petits conseils et messages bienveillants pour vous, chère Balance. Donc l'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique. Voilà, pour moi ça rejoint eh bien cet engagement. Cette volonté d'écrire un nouveau chapitre et de se rendre compte qu'en effet on avance et que du coup on peut lâcher prise et observer le beau paysage qui nous entoure. Voilà, ce sera le mot de la fin, chers amis Balance. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Nous on se retrouve très vite pour l'oracle du jour. Et puis voilà, je vous dis à plus. Ciao!